Salut à tous, donc c'est parti pour la deuxième vidéo de Golden Sun 2. Je me gourre déjà dans les touches. Donc je vous rappelle que voilà, Alex était parti par là pour occuper les gardes et qu'on s'était donné rendez-vous après une caverne. Donc nous on va passer par là, il y a quelques habitants. Hein. Voilà, alors par contre la musique des combats n'est plus la même que dans le 1. Et là en l'occurrence c'est Lina qui combat en premier, donc c'est pas la même musique que dans les autres combats du jeu. Hein, ouais. En fait ça dépend du perso qu'on met en premier dans l'équipe. Non, il n'y en a pas une pour chaque perso, hein, mais il y en a 3 en tout. Celle du 1, ou pourquoi. Il y en a une pour le 2 avec Pavel et une pour 2 avec le avec Lina. Alors c'est qu'ils sont vachement courageux les gars quoi. C'est légèrement lâche d'attaquer une fille en VR, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va se retrouver à la caverne comme prévu. Donc pour ça, tiens, vous rappelez peut-être de cet endroit. Donc, vous voyez, on peut pas aller par là et quoi. Donc on est obligé de suivre le un seul chemin. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que par là, si vous vous rappelez, il y avait un djinn dans le 1. Bon, bien sûr, il y en a plus dans le 2 puisqu'ils l'ont pris. Voilà, alors ils attaquent à 3 contre 2. Il y en a qu'une qui combat, mais c'est pas grave. Donc voilà, le gameplay est exactement le même. Hein. Mais il y a des trucs en plus quoi. Bon, de toute façon, ils sont trop faibles pour me battre. Hein. D'ailleurs, la musique de combat de Lina est moyenne parce que bon, ça fait pas trop combat comme truc. Je crois qu'il va avoir une... Ouais, une fourmi. Voilà, encore un dialogue inutile, mais bon. C'est sympa ça, voilà, ça fait vivant. Donc voilà, on n'a pas encore de synergie de soins. Il y a toujours les fameuses pierres synergie et là on se retrouve sur la carte. Ah, et les montagnes par contre, je sais pas pourquoi ils ont complètement changé de truc. Ils ont changé le graphisme des montagnes. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mais c'est pas grave. Mais bon, là ils sont sur la carte donc c'est un peu normal qu'ils soient démesurés par rapport au bateau. On va y mettre un petit peu de monstre. Oui, c'est l'orbe, si vous vous rappelez. Eh bah putain, t'as fallu du temps. Et parce que ça, c'est pas le bateau de Vlad, attention. C'est un autre. Qui est pareil. Donc là, je vous rappelle qu'on est toujours dans le 1, enfin, en même temps. On est toujours avant la fin du 1. Plus pour longtemps. Donc le jeu n'a pas encore vraiment commencé. Voilà, là ils allument le phare, donc on approche de plus en plus de la fin du 1. Vous vous rappelez, à la fin du 1, on voyait un truc avec eux qui était pas là. Parce que vu que c'est le phare de Vénus, il a fait un tremblement de terre.
Voilà, détachant ainsi le continent, enfin un morceau du continent, qui dérive. Voilà, et là on se retrouve à la fin du 1, à la petite truc qu'on avait après les crédits. Sympa. Moi aussi. Ouais, elle est un peu conne, elle commence. Pense que tu vas manger sur une île déserte, si tu veux pas crever de faim, faudra peut-être bouffer quoi. Oui, alors Pavel, je vous rappelle, c'est son frère. Hein. Donc oui, je sais, si vous n'aviez pas joué au jeu avant de voir mes vidéos, ben vu de quand date le 1, voilà, ça se terminait ici. Ça se terminait ici, là. Après les crayons, vous voyez ça, ça s'arrête là. Là, voilà, c'est ça. Enfin, le SN2, donc je suis perdu. Et là, on va enfin commencer le jeu. Et ce qui est énorme, c'est qu'on a déjà un mystique de chaque élément dès le début du jeu. Enfin, Alex, on l'aura pas dans l'équipe, bien sûr. Les quatre, c'est qu'elle s'éloigne, elle embarque le bateau avec. Vous vous rappelez, ils sont tombés du phare comme ça. Enfin, Sylvia est tombée du phare et comment il s'appelle, Pavel avait essayé de la rattraper, ils étaient tombés tous les deux. Et ils sont échoués sur lui en fait, qui dérivait. C'est assez logique d'ailleurs, si on regarde la géographie de l'île, ils sont tombés du phare, ils ont dérivé vers le sud, et clac, ils sont retrouvés là. Bah elle fait chier là, elle répète tout ce que je dis. Ah oui, alors par contre, le perso principal du 2 maintenant c'est Pavel, hein. C'est plus Vlad. Donc Vlad qui ne parlait pas dans le 1, bah il parle dans le 2, et Pavel il parlait dans le 2, bah il parle... Non, il parlait dans le... Bon, attendez, je m'embrouille. Enfin, Pavel il parlait pas dans... Si. Pavel il parlait dans le 1. Maintenant que c'est un perso principal, bah il parle plus. Et voilà. Et oui. C'est l'Amérique, le nouveau continent. Elle est bien la musique de la carte. Je sais pas si vous entendez bien la musique. Ça me rappelle des souvenirs. Là. Et là, on va se recevoir une belle vague. Surtout que lui il s'en fout, c'est un skip de l'eau, donc l'eau il aime ça. Voilà, on se prend une vague de fond sur la gueule. Et hop. Bien sûr, le perso le plus puissant n'est plus avec nous. Ne vous inquiétez pas, il crève pas comme ça. Non, je m'en fous. Ça fait la même chose. Non, ça m'a... Si on met oui, ça met... Ah, mes jambes sont là, mes bras aussi. Putain, mais c'est génial, là. Dès qu'on voit toute la l'anatomie du corps humain, ouais. Non. S'il y a... Merde. Elle s'est pris la montagne dans la tronche.
alors la carte, comment on fait déjà? La carte... Putain merde, je sais plus comment on fait la carte du monde. Non... Non, on peut pas. Ou alors on peut pas encore. Et là je suis complètement paumé par rapport à... Enfin l'histoire je me rappelle et tout, parce que j'ai joué avant. Hein. Je suis un petit peu paumé dans les contrôles... tout ça quoi. Voilà. Voilà, donc l'île s'est cognée à... Ouais, et le bateau non plus. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, vu que Vlad, il doit découvrir le secret de l'alchimie pour sauver... comment il s'appelle? Putain, j'oublie tous les noms. Merde. Enfin, celui, le vieux, là, qui voulait être immortel. Alors que lui, il veut pas allumer les phares. Ouais. C'est raison. Ça, c'est de la raison, ça. C'est ma destinée. Putain, t'as encore eu 4 en français, 2 en maths, merde. Oui, mais c'est ma destinée. Ouais, parce que j'ai déjà fini le jeu, donc... Et voilà. Oui, parce que je vous rappelle que pour... rentrer dans un phare, il faut le mystique du phare. Donc un mystique de l'air pour rentrer dans le phare de Jupiter. Non. Voilà. Donc en fait, bon, c'est un petit peu comme le 1 là, c'est-à-dire que Pavel remplace Vlad, Lina remplace Gareth, Cilia remplace... Oula, ça tremble. Ça déconne la carte. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle bouge la carte. Bon, au moins ça lag plus comme avant. D'accord. On se retrouve dans une île exotique. Toujours ce petit système, hein, à Dragon Quest, on va dire, où on trouve des objets dans les tonneaux, etc. Bon, je vais pas tous les scruter, hein, comme dans machin, comme dans le 1, quoi, hein, je vais pas. Bon, bien sûr, je vais récupérer tous les jeans, etc. Mais ça, pas trop important. Et donc eux, bien sûr, ils ont subi leur admarée également. Hein. Voilà. Donc ça, je m'en fous complet. Je peux pas imaginer. Ah bah d'accord. Ils nous donnent des trucs déjà qui sont moins bien que ce qu'on a déjà fait. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les armes. Hein. Je vais prendre les armes. Oui, j'ai mis en vert l'interface parce que bon, pour changer un peu quoi. Ça m'énerve d'augmenter juste un petit peu pour des conneries. Hein. Comme là, franchement, 24-25, je m'en fous. Hein. Est-ce qu'il y a pas une bonne petite relique là? Non. Au début du jeu, bien sûr, il n'y en a pas. Bon, allez. Vous n'abandonnez jamais si je pourrais te vendre mon épée. Je peux pas te plaindre, tu veux perdre du fric ou quoi? Alors, mon épée, hop. Comme ça, je la donne à elle. Et clac. Blanc. Hop. Donc,
Ouais, non. J'ai plus assez de fric pour le reste. Donc on va escalader. Tac. Alors, j'avais même pas fini ma phrase de tout à l'heure. J'avais dit ouais, que les persos remplacent ceux du lin, hein. Même si on va les revoir, enfin, vous verrez. Et donc Wasilia remplace Ivan. Et par contre, on n'a pas encore de mystique de l'eau, hein. Mais on va bientôt les avoir. Donc c'est un peu... C'est encore plus rapide que dans 1, c'est-à-dire qu'on a les... On a 3 personnes dès le début du jeu, quoi. Qu'on ne quittera pas. Donc ce qui est chiant quand on fait des vidéos, c'est qu'on est obligé de speeder. Alors que quand on joue, enfin moi perso... Moi perso, quand je joue... à Golden Sun, donc ça c'est un jean. Alors la gueule des jeans de machin. Linus. Donc là bon, il va nous expliquer tout le système de jeans. Comme dans le 1. Hein. C'est énorme. Bon. Je m'en fous de l'aide, merci. Voilà, même petite animation. Donc maintenant, ma carte n'en a plus, mais elle tremble. Alors, je sais pas pourquoi j'avais ça. Donc, voilà, la carte tremble, désolé pour vos yeux. Ah, ben voilà. Alors, est-ce que vous voyez la taille de la carte? C'est un truc de malade mental. Alors, je vais vous dire à peu près, hein, parce que je me rappelle plus trop. Mais je crois que la carte du 1, ça faisait un truc dans le genre... Ouais. C'était tout petit, ça faisait un petit morceau de ça. Là. Bon, c'était dans ces environs-là, la carte du 1. Voilà. Non, c'est pas... voilà. Bon, c'est pas très précis, j'avoue. Alors. Là, il a... Vous allez. Moi, bon, où je vais, moi. Donc là, bah, notre but c'est de retrouver. Comment il s'appelle, Alex. Je sais même pas ce que je branle là depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi, je me balade dans le. Comme un con. Ah, merde, j'ai même pas lié le jean. Donc oui, alors les systèmes des jeans, je vais pas vous le réexpliquer, enfin si vite fait, si vous vous rappelez plus. Bon, c'est tout simple, on met un jean à quelqu'un, ça change ses synergies, c'est-à-dire ses magies. Et ça lui augmente ses stats, ouais. Et on peut les utiliser pendant le combat, une fois qu'on les a utilisés, on peut les invoquer. Voilà. Alors la différence avec le 2, c'est quand dans le 2, avec le 1 pardon, c'est que dans le 2, enfin dans le 1, dans le 1 il y avait des invocations, elles étaient tout le temps toutes du même élément. Enfin je veux dire, 4 djinns de terre, 4 djinns d'eau, etc. Alors que là il y a des invocations avec des djinns d'éléments différents mélangés. Donc, par contre pour les obtenir c'est différent. Il faut faire des espèces de petites quêtes, on va dire. Bon, bah écoutez, je vous laisse là et on va se retrouver à la suite. Puis je vais essayer de me repérer un peu parce que là, je suis comme... Je suis super content de le faire. Quand j'ai vu que ça marchait, vous imaginez pas. J'étais tellement content, quoi. J'étais excité comme un... Comme un pou. Ouais. laisse tomber quoi. Donc bah écoutez, on va se quitter ici. Et on va enfin commencer l'aventure. Bon, ça commence qu'à la 3ème vidéo, dommage. À la prochaine vidéo. Voilà, allez, salut.